Are you looking at the blue sky now, or are you looking at the dark clothes? Have you seen the white sneakers now, or are you looking at the black? Are we happy to this joy in this moment, and we don't have to think about the past? Uncertain future ain't painful memory, and we need to live simple life. Everything gonna be fine. Comment ça va? Moi je suis trop dans un bon mood aujourd'hui, c'est une journée lambda normalement, mais en fait vous avez déjà illuminé ma journée parce que il y a Elisa de la chaîne Elisa Cab et Margorito qui ont regardé mes vidéos et qui partagent un petit peu sur leurs réseaux sociaux et tout, et ça me fait trop plaisir que mes vidéos leur plaisent et qu'elles vous plaisent en général. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, là il y en a une petite paire quand même ces derniers jours. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne. Je suis trop contente de vous avoir. Ah, je réalise pas trop, ça fait juste plaisir parce que bah, je suis débutante et tout, et du coup parfois je me dis que mes vidéos sont pas trop bien et je sais qu'elles ont des défauts, qu'elles sont pas parfaites et tout ça, mais du coup le fait qu'elles vous plaisent quand même, ben ça me fait chaud au cœur. Et aussi genre le plus gros compliment qu'on peut me faire, c'est que ben, mes vidéos sont douces et qu'elles vous apportent un peu de réconfort et tout ça, et de calme ou de sérénité, de je sais pas, de réconfort, voilà. Et du coup ça me fait trop plaisir parce que c'est un peu le but de la chaîne et des vlogs que je fais. Je sais que c'est un peu plus dur pour les gens de trouver ma chaîne si je fais des vlogs, mais en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce que ben ça permet d'avoir un peu une relation plus proche avec vous, et un peu de pouvoir parler de sujets variés et un peu plus personnels, et d'essayer de communiquer une ambiance sur la chaîne quoi. Et du coup bah ça paye parce que vous trouvez mes vidéos calmantes et tout ça, apaisantes, donc ça me fait trop plaisir. Cette semaine on se retrouve justement pour un vlog. Je sais pas encore à quel point je vais réussir à lire cette semaine parce qu'il me reste 2 semaines de mémoire là, et ça va être 2 semaines bien intenses. J'ai prévu de le rendre le 20 juin et de passer ma soutenance la même semaine avant le 28, parce que le 28, ça je vous l'ai pas encore dit, mais je décolle et je pars en Écosse, à Édimbourg. Je vais à Édimbourg pendant une dizaine de jours. Vous pouvez vous attendre à des vlogs voyage à Édimbourg, enfin je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je pense qu'il va y avoir plusieurs parties parce que j'ai envie de beaucoup beaucoup filmer et de faire des vlogs bien quoi. Donc voilà, attendez-vous à des super vlogs d'Écosse. Mais en attendant, il faut que je finisse mon mémoire. C'est un peu moins fun, mais bon. J'ai fini The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'avais commencé dans le vlog précédent, et c'était vraiment très très bien. Après, j'ai un peu vu venir le plot twist de la fin, donc bon. La dernière phrase du livre est vraiment sympa, et c'était vraiment une lecture agréable, ça se lisait bien et tout ça, enfin... C'est vraiment le genre de livre qu'on n'a pas envie de poser et qu'on peut lire sans trop se prendre la tête, mais il y a quand même un peu des sujets de société qui sont débattus, et il y a des personnages attachants... C'était vraiment, vraiment sympa. Cette semaine, du coup, il me reste à finir le Tsai, que j'ai toujours pas fini, mais je sais vraiment pas si je vais le finir parce que bof, vraiment très bof. J'y pense jamais en fait, je l'oublie complètement tout le temps ce livre, donc j'ai pas spécialement envie de le finir, on verra. Peut-être que je me forcerai pas ou que je le finirai comme ça, vite fait, cet été, quand je travaillerai sur Marceline. On verra. Je suis déjà en train de l'appeler Marceline, j'ai même pas encore lu ses œuvres, mais je suis déjà attachée à elle. Je vais commencer un nouveau roman puisque j'ai fini... Evelyn Hugo. J'ai choisi un livre qui se déroule en Écosse. En fait, c'est un livre que je veux lire depuis que j'en ai entendu parler. Je sais même plus où est-ce que j'en ai entendu parler la première fois. Mais il a l'air vraiment juste incroyable et touchant et trop trop magnifique. Je suis allée voir s'il l'avait d'occasion à Gibert la semaine dernière. Là, je me suis rendu compte qu'en fait ça se passait à Glasgow en Écosse. Bon, moi je vais à Édimbourg, je vais pas aller à Glasgow, mais on va dire que ça compte, d'accord? Ça compte. Et ce livre, en fait, c'est Shuggy Payne de Douglas Adams. Donc c'est un roman qui a gagné le Booker Prize en 2020. Et je crois que c'est le tout premier livre de cet auteur. Je sais pas trop de quoi il parle, si j'ai bien compris. C'est une relation... Enfin, ça parle de la relation entre une mère et son enfant. Et cette mère est addict. Alors je sais pas si elle est alcoolique ou si elle est addict à la drogue. Donc Shuggy Payne, c'est le nom de l'enfant. Il paraît que c'est très très touchant, c'est le genre de livre qui va me faire pleurer, j'imagine. J'espère en tout cas. D'habitude j'aime pas quand il y a une photo sur les couvertures, mais je trouve que celle-là, elle passe assez bien en noir et blanc et tout. Et c'est aussi un livre un peu tout doux comme The Secret History. Mais en fait je vous ai jamais dit que j'avais lu The Secret History parce que c'est pendant que j'avais pas ma caméra, pendant qu'elle était en réparation. D'ailleurs je l'ai là parce que je vais le prêter à mon amie Sarah.
Mais pareil, c'est les couvertures velours qui sont toutes douces. Petit détail qui sert à rien, mais j'adore le format du livre. J'aime pas trop les livres quand ils sont trop étroits, trop fins, parce que on a du mal à... Je sais pas, à le plier et tout. Celui-là, il est bien grand, les pages, elles sont très larges, et j'aime beaucoup ça. Il a pas trop d'odeur. Bon, j'ai vraiment mis du rouge à lèvres dedans, je suis pas douée. Là, je sais pas si vous voyez. Donc cette semaine, je vais commencer ça. J'ai en cours aussi de lecture un livre de Stevenson, parce que du coup, j'essaye de lire pas mal de livres écossais ou qui se passent en Écosse avant de partir. Donc si vous avez des recommandations d'ailleurs, surtout de poètes, parce que du coup, je vais avoir un livre de Stevenson, donc un classique. Je vais avoir un roman contemporain avec ça. J'ai pas trouvé encore de poète écossais. Je sais que Robert Burns, il me semble, est écossais, mais j'ai pas trouvé sa poésie, donc peut-être que je la lirai sur l'ordinateur. Là, voilà, si vous avez une suggestion de poète écossais que vous connaissez, ben, elle est la bienvenue. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, donc là, il est tard, il est 17h. Oula, faut qu'on y aille en plus. Parce qu'en fait, ce soir, on rejoint Sarah avec Océane, ma coloc, pour aller voir Chantons sous la pluie avec Gene Kelly. Le cinéma Le Champollion, juste à côté de la Sorbonne, passe des comédies musicales ce mois-ci. Et comme j'adore les comédies musicales, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de prendre des billets. Et donc, on doit la rejoindre à 17h30 à Odéon. Et il est 17h. Je vous emmène avec nous parce qu'on va aller manger un bout aussi. Et je sais pas, je vais emmener la caméra, on sait jamais. Well, see, I hated you for a long time. But one day. Alors, débrief, vous en avez pensé quoi du film Océane? Moi, j'ai chaud. Trop aimé la voix de la like ça a provoqué un petit émoi, là, j'ai. And I tried to look away, but I couldn't. And then you said my name for the first time. How suddenly. Attends. Viens, je te fais visiter. Elle est où? Elle est là? Toujours, il y avait un chat. Bon, c'est quoi cette truc? Ah, c'est des éditions blanches. You do that sort of smile and your lips quirk to the side. All I've got are freckles, curly hair, and my pride. I dreamed that I dreamed that you were blind, and I went walking, looking for the light, but then I lost it. Trying to bring the right thing home to you. And I see now that nothing is a waste until it runs out. I built myself a castle just to climb down. And rifle through the fragments of my youth. And I've got everything I've ever felt lined up in pretty little bottles. Aujourd'hui, il faut absolument que je sorte de l'appartement, sinon je vais péter un câble. Donc je vais aller travailler à la bibliothèque ce matin. Je sais qu'en ce moment dans les vlogs, je passe ma vie à vous emmener à la bibliothèque. On fait pas grand chose de très excitant, de très amusant. Si vous voulez voir des choses un peu plus amusantes, faut aller voir mon vlog sur mon anniversaire. Je suis allée à Versailles et tout, donc là, ce vlog-là, il est un peu plus amusant.
Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est beaucoup bibliothèque, bibliothèque. Mais bon, ce sera encore comme ça pendant 2 semaines, et puis après, c'est bon. On fera d'autres choses. Mais bon, aujourd'hui, il faut vraiment que je sorte et que je travaille. Donc, le seul combo possible, c'est la bibliothèque. Cet après-midi, j'ai une après-midi un peu chargée, donc il faut vraiment que j'avance dans mon travail ce matin. Et je pense que je serai rentrée à 17h30, 45, quelque chose comme ça. J'ai commencé chez Gibraine. Bon, j'ai pas encore trop avancé, hein. J'ai vraiment pas eu le temps de lire beaucoup, je suis à la page 20. Je pense que je vais être soufflée. J'ai pas mal à noter les premières pages. Bon, pas mal, ça dépend d'à quel point vous avez noté en général. En fait, j'ai relu le premier chapitre plusieurs fois parce que il y a plein d'indices, il y a plein de choses à analyser. Enfin, je sais pas, mais je sens que ce roman va être vraiment trop intéressant. Alors, ce que j'ai relevé du coup dans le premier chapitre de plus saisissant, c'est des oppositions entre vie et mort. Enfin, il y a une vraie omniprésence de la mort. Déjà, la première phrase, c'est « Day was flat, that morning his mind had abandoned him and left his body wandering down below. » Dès la première phrase, c'est comme s'il était hors de son corps et qu'il faisait une expérience, une near-death experience. Chez qui travaille dans un... dans une boucherie, je crois, ou un traiteur ou quelque chose comme ça, où ils font des poulets rôtis. Le propriétaire du traiteur s'appelle Mr. Killfeathers, donc c'est celui qui tue les plumes. Une vraie omniprésence de la mort, et puis en fait on sent que le personnage a l'habitude d'être envahi tout le temps, enfin qu'on respecte pas son espace personnel. Par exemple, il habite, alors c'est un adolescent, et il habite dans l'équivalent d'une auberge de jeunesse, mais où on habiterait tous les jours, donc il y a plein d'autres hommes qui habitent dans la même résidence. Et en fait, à un moment, en parlant de la propriétaire de l'auberge, enfin de l'auberge, je sais pas comment on appellerait ça en français, il dit « The landlady never bothered Chuggy, she never set foot in his bedsit unless the rent was late. » Et je me suis demandé, mais pourquoi elle le ferait? Pourquoi est-ce qu'elle rentrerait dans sa chambre? Le matin, il se réveille et il écoute à la porte parce qu'il entend qu'il y a un homme derrière la porte et il attend pour sortir que cet homme soit parti. Et en fait, bon, cet homme-là est un peu un prédateur à mon avis. Enfin, à mon avis. C'est un peu clair à la fin. Mais du coup, c'est montré de manière assez tragique parce que on comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais tout est là, en fait. C'est pour ça que j'ai relu aussi plusieurs fois le chapitre parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris ce qui se passait. Mais en fait, c'est tellement clair quand on lit le chapitre. Mais c'est dans le fond, enfin, ça, c'est infusé dans le texte. Comme c'est infusé dans sa vie à lui, j'imagine. Donc, c'est vraiment super triste parce que c'est comme si on s'en rendait pas compte. Donc, comme si lui-même il s'en rendait plus compte. Ça va être bien tragique. J'en suis que là, à la moitié du deuxième chapitre. Mais en tout cas, ça va être beau, je le sens. Mais c'est le genre de livre qu'il faut lire doucement, j'imagine. Allez, maintenant il faut que je fasse mes affaires et on y va. You are like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed, then carefully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold. It all happens with the reason. Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky. Hello tout le monde, donc là on est vendredi. Hier j'ai pas plus vlogué que ça, je vous ai filmé un petit peu quand j'étais au café pour travailler, mais pas plus parce que c'était une grosse journée, elle était bien remplie, j'ai fait 2 heures de cours particuliers, donc voilà. Et puis le soir avec les filles on a juste mangé devant la télé, moi j'ai encore un peu travaillé le soir et voilà, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui je vais être un peu plus dehors, ce matin on va à la bibliothèque de nouveau avec Zachary. Cet après-midi Sarah nous rejoint et on va sûrement aller travailler dans un petit café. Il y a un bordel pas possible dans ma chambre parce que bah, comme je travaille, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai essayé quand même de faire un effort ce matin et de faire un brushing qui n'est pas très réussi, mais peu importe, de toute façon je vais transpirer toute la journée parce qu'il fait super chaud, donc j'aurai plus de cheveux lisses à la fin de la journée. Donc peu importe, voilà, c'est parti, on va à la bibliothèque.
I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up?